invite à un ministère et l'honorable ministre donne une rencontre avec lui. Et pour le troisième politesse, nous allons, nous informons lui qu'il nous finit mettre le cas et leur commission, conciliation et médiation CCR. L'association des médecins se porte par ses 500 membres. Nous demandons un chiffre système, nous d'accord avec le système, mais nous besoin un chiffre système avec une condition de travail adéquate et une horaire qui est raisonnable. Nous ne sommes pas d'accord avec la façon unilatérale que le ministère de la Santé impose un type de chiffre système là où nous avons un médecin généraliste. Ça, nous vous comprenons bien. Nous d'accord avec le chiffre, nous d'accord au recrutement, nous pas d'accord avec la façon de faire. Nous tenons 6 rencontres, 6 meetings avec les officiers du ministère de la Santé. Malheureusement, 6 meetings finis, jusqu'à l'heure, nous n'avons pas abouti à aucun consensus sur les modalités et conditions de travail du chiffre système. Avec ce type de chiffre système qu'on nous a imposé pour le moment aux urgences, et qui ministre hier clair qu'il pourrait implémenter sa partout. Nous avons besoin de travail 48 heures. Semaine de 40 heures. Mathématiquement, c'est simple. Sur 33,40 par semaine, ça fait aussi 7 heures en plus qu'un médecin généraliste de l'État. Nous avons besoin de travail par semaine. Et ça fait aussi 28 heures en plus qu'il a besoin de travail par mois sans aucune révision salariale. Nous refaisons notre mathématique simple encore, d'après PIB, ça va amener une baisse de 17,4% de ce salaire. Il a aussi mentionné dans la conférence de presse hier que le chiffre peut fonctionner à cause de ça, c'est un peu. Mais quand il a fait fonctionner, il a besoin de tout ça. Il n'est pas capable de prendre. Mais de l'autre côté, là, il est au détriment de mon médecin. Il est simple, ça. Il a beaucoup de frustration, il a beaucoup de colère, il a beaucoup de démotivation. Je ne vois pas de mon médecin. Net algèbre de d'absentéisme, 180 médecins qui est au chiffre là. L'inaugmenté. Mais qui ça veut dire ça? Le ministère tape un coup de faux, option faux, bien signé. Nous ne signons option faux pour ça qui n'est créé la PIOB. La PIOB pas mentionné, non, il y a une modalité de condition pour ce système. Il a aussi mentionné travail grand, passage bénéfice, duty free. Mais ça qui est oublié, c'est pas seulement médecin qui est en facilité là. Il y a beaucoup d'autres fonctionnaires qui ont du livre, qui ont travaillé dedans, qui ont passé du bénéfice. Donc, ce n'est pas la peine de checker tout le monde qui peut gagner comme quoi, si ce n'est pas le médecin qui peut gagner ça, non. Ça, c'est tout fonctionnaire qui gagne, majorité de fonctionnaires qui est entitled de gagner. Sa façon de faire unilatérale là, ça permet beaucoup, beaucoup de frustration, inimaginable de frustration. Comment je tout connais? Il n'y a pas de secret ça. Frustration, il y a une démotivation. Démotivation. Il y a une baisse de performance et malheureusement, ça peut avoir un impact direct sur la santé de la population. Donc, nous demandons au ministère de revoir cette décision, freeze le chiffre système pour le moment, je peux dire pour le moment, pas besoin d'extendre le département, nous trouver une bonne formule et win-win situation, que surtout, il ne faut pas patient qui paye les pots cassés. Là-dedans, patient qui vise un saut gagnant. Ça, nous allons mettre beaucoup en face de là. Quand un spécialiste fait travail gagnant, souvent patient admis qui était, il y a souvent patient sur outpatient clinic, sur la comité qui est regardé, et qu'il y a une salle d'opération qui est faite. Normalement, il y a un généraliste et un spécialiste qui travaillent ensemble. Donc, de ce fait, il y a une continuité dans le travail. Ça, généraliste là, il peut tout patient sur spécialiste là. En même temps, spécialiste, peut trainer ça, docteur là, ben procedures qu'il y connaît, il transmet d'une façon seulement connaissance à sa spécialiste, sa généraliste là. Donc si nous pouvons implémenter le chiffre système dans un département, aujourd'hui, quand même spécialiste au cabinet, un docteur, demain, deuxième docteur, troisième jour, un troisième docteur, donc pas pour une continuité dans le travail, pas pour une continuité de training que ça dans le généraliste là.